bienvenue à toutes et à tous au Dynamic Game de Chaland pour la chaîne sur la chaîne Dynamic Games officielle. Donc comme promis, on se retrouve pour les sorties du mois de novembre. On est fin octobre, là on est le 27 octobre. Donc je vous fais une petite tease de tout ce qui va sortir. Les derniers jeux, bon, il n'y a plus grand chose à part 2-3 titres comme Call of Duty. Mais vous allez voir, il y a des titres assez sympas aussi qu'il ne faut pas louper. Après, il y a des titres qui ont été reculés, il y en a d'autres qui vont sortir l'année prochaine, par exemple comme Prince of Persia. Avec un petit jeu en 2D, scrolling horizontal, façon cel-shading de droite à gauche, vous savez, le vieux Prince of Persia. Donc il y a des bons petits jeux qui vont sortir l'année prochaine, comme le Final Fantasy Rebirth, etc. Donc on fera le point, de toute façon, début janvier pour ça. Et puis à l'heure actuelle, eh bien voilà les sorties. Donc le premier, ça va être les Schtroumpfs 2. Eh ben oui, les Schtroumpfs 2. Les Schtroumpfs 2, c'est un petit jeu de plateforme qui est assez sympatoche, en fait, à manier, très agréable à jouer. Donc ça fait partie des très bons jeux. Ça, on va en voir quelques images, vous allez voir, c'est très très bien. Il y a Star Ocean Second Story. Donc ça aussi, c'est comme un vieux Star Ocean, je crois que c'est une rétrospective des anciens. Donc ça a été remasterisé, graphiquement il est très très beau et très bien réussi, vous allez voir, c'est vraiment un très bon jeu. On a Astérix Bafféletous 2 qui sort, donc sur PS4, PS5 et Switch, qui sort vraiment le 2 novembre. Qui va pas être sympa aussi, un Beat Zemo, là, vous avancez avec les personnages Astérix et Obélix. Donc il y a la dernière BD qui est sortie, d'ailleurs qui est très très bien, je l'ai lu, elle est vraiment sympatoche, je vous conseille de la lire. Ou de l'acheter si vous avez le temps de l'acheter. Et donc c'est un beat'em all classique, vous avancez, vous frappez, vous récupérez des morceaux de sanglier pour reprendre de l'énergie, c'est vraiment très sympa à jouer pour les plus jeunes et comme les plus vieux, c'est vraiment très bon jeu. Il y a WarioWare Move It, donc ça c'est des mini-jeux danse, Move, donc mini-jeux Wario, c'est mignon à jouer, sympa. Donc l'incontournable Call of Duty Modern Warfare 3, donc effectivement j'ai pas mal de jeux, il y a Beta qui est sorti, il y a pas mal de gens qui ont été déçus. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de jeux en ligne, qu'il y ait très peu de games classiques. Modern Warfare 3, bon, on va bien voir ce que ça donne. Graphiquement par contre c'est une tuerie absolue. Comme le Metal Gear, il y a un prochain Metal Gear qui est remasterisé. C'est une Metal Gear Collection qui est sortie avec tous les vieux Metal Gear NES, Super NES, etc. qui est pas mal pour les collectionneurs. Il y a le vrai Metal Gear 3 Snake Eater je crois, qui est remasterisé et les premières images qu'on a vues sont énormissimes. Donc ça sera un petit bonus peut-être en fin de vidéo que je vous mettrai. Donc là, on s'arrête là, je vous montre quelques vidéos, on se revoit après. Allez, à tout de suite. PEGI 7. Can you save this planet? Can you fight for what you care about? A masterpiece of the Star Ocean series is reborn. In a lonely corner of space, a boy hailed as a hero of light. Where the hell am I? Meets a girl without a past. My name is Raina Lanford. Nice to meet you, Mr. Kenny. And the clock of destiny that has waited an eternity has started to move. It's time to set off. With trustworthy allies fighting for a common cause. In the shadows of twinkling stars, as long as hope remains, the light will continue to shine, no matter how much evil ambition swirls around them. More beautiful than before. More intense. Reinvigorated. Prepare to dive into the sea of stars.
Star Ocean, the second story arc. We've got the hopes of the entire universe riding on our shoulders. Coming November 2nd, 2023. Peggy 7. Chant devant. Allez, vole. Allez, hooch! Chaud devant! Écartez-vous, je fonce! Get ready for more micro game mayhem in the latest WarioWare game! Hold two Joy-Con controllers, then action! Move your body to take on a flurry of lightning-fast micro-games. What you do and how you move depends on the micro-game. React quickly with the right movement, and you'll be on the road to victory. Excellent! If you've got two pairs of controllers, play with a friend in local co-op. Sync up your actions to beat each micro-game. Plus, up to four players can live it up across various mini-games in party mode. For example, this dicey board game is going to keep you on your toes. Get your body moving in over 200 lightning-fast micro-games. In WarioWare Move It! Launching on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. La discrétion est primordiale. Assurons-nous qu'il ne voit pas le lever du soleil. On doit savoir s'il travaille avec Moscou. On est en position. On se met au boulot, bravo. Bien reçu. C'est une catastrophe planétaire. On a deux missiles en approche. Si vous êtes sur place, dégagez. Il assassine des civils. Cible en vue. On lance une évacuation immédiate. Il veut une guerre mondiale. Il a une bombe. Précommandez l'édition coffre d'armes et obtenez le pack d'opérateur ennemi juré. Des coffres d'armes destin. Le pack Black Cell de la saison 1 avec 50 passages de niveau et plus encore. Et voilà, ça vous fait une idée. Vous avez vu que Call of Duty, il est vraiment magnifique. C'est un vraiment très bon jeu. Vous avez pu voir le Astérix aussi, Baffin et tout, ce qui est assez marrant à jouer, qui est mignon à jouer comme tout. Donc ça fait partie des petits titres sympathiques de fin d'année. Donc on a Banisher Ghost of Number. C'est un petit jeu un peu comme The Witcher, dans le même style. Vous allez voir, ça va passer inaperçu, mais ça fait partie des bons jeux aussi. On a le Naruto, un nouveau Naruto. Alors je crois que c'est Ultimate Collection qui regroupe pas mal d'anciens Naruto. Donc ça sort sur toutes les consoles, hein, parce que bientôt la PS4 sera terminée et la Xbox One aussi, bien sûr. Ça sort sur PS4, PS5, Switch et Xbox.
On a le Hogwarts Legacy, enfin, le 14 novembre sur Switch, depuis tant qu'on l'attend. Alors méfiez-vous parce qu'il va marcher avec la cartouche, mais aussi avec une mise à jour internet. Il faudra avoir un bon réseau pour pouvoir télécharger correctement et jouer correctement. Donc n'oubliez pas d'avoir une connexion internet sur la Switch, c'est très important. Il y a le fameux Goldorak, le festin des loups, qui est un beat 'em all. On voit un peu Goldorak de haut, il y a des Golgoth, des boss de fin de niveau à affronter. Il y a une édition collector qui va être vraiment collector, donc si vous le voulez avec une belle figurine, ça ne pourra pas le louper. C'est un très très bon titre, mais beat 'em all, plus baston, donc je sais pas ce que ça va donner, si vous n'aimez pas trop ça, bon, on verra. En attendant peut-être le jeu d'aventure ou le jeu de rôle, je pense que l'éditeur veut tâter le terrain pour voir si la licence a encore beaucoup d'adeptes. S'il y a beaucoup d'adeptes, bah effectivement, je pense qu'ils feront autre chose. Mais pour l'instant, c'est juste un beat 'em all, ça n'a pas l'air trop mal, ça va. Le pitch sera peut-être excessif par rapport au jeu, mais enfin bon. On en reparlera plus tard, vous verrez bien, je vous laisserai faire une idée, je vais vous montrer quelques images, je suis pas si mal que ça en fait. Hein. Et le Super Mario RPG, donc le Super Mario RPG, c'est celui qui sort à la fin du mois, le 17 novembre, après ça va être super calme. Donc Super Mario RPG, c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur Super Nintendo, si mes souvenirs sont bons, et uniquement en japonais, ou en américain, je crois que c'est en japonais, j'ai joué en japonais, mais il y a de nombreuses années, hein, comme ça fait une trentaine d'années que je suis ouvert. Donc mais c'est un très bon jeu, Super Mario RPG, vous allez voir, ça change un peu de l'ordinaire. À essayer, vous verrez si ça vous plaît. Par contre, plus accès à jeux d'aventure, discussion, il y a des objets à trouver, mais c'est assez bien réalisé aussi, c'est pas mal. Franchement, c'est un jeu qui va devenir collector à long terme, je pense. Donc voilà, et puis on se retrouve après, et puis je vous laisse vider les quelques nouveautés qui arrivent là. Allez, à tout de suite. The dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Peggy 12. Just cut you off completely. I'll inherit my master's will. You can't defeat me. No matter what you become, I will always love you. The Hokage is the person who walks in front of everyone and bears all the pain. Why are you so obsessed with me, Naruto? Because we're friends. Here we go! In a flash! My blood is boiling! Charge! No despair. You can't escape. How about this? You were! Move! I win. Don't underestimate the will of fire. I'll settle this! Now is the hour of judgment. Amaterasu. The weak are unsightly. This is the power of all the Hokage. Get going, Lee! Here I go. I'll protect you to the end. Sting to the beat of the killer bee heat. Prepare yourself. Sweet dreams. How about this? You'll be eaten alive. Idiot! Catch! Lock on! Go, Choji! Shino, fire all rounds! Super Beast Scroll! Here I come, Hinata! From here forth, history will be spun again. And so began their journey. On a path with no end.
this power, I will establish perfect order. What you describe is nothing more than oppression through force and fear. My frail little brother. No. I do not wish to fight you, elder brother. PlayStation. La magie, à la fois sublime et puissante, est le lien qui unifie notre long passé. Ce lien que nous partageons tous est l'héritage de Poudlard. Il est temps aujourd'hui de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique, et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers. Chaque couloir, chaque portrait, chaque pierre de ce château raconte l'histoire des sorciers et des sorcières qui étaient là avant vous. Ici, vous vous ferez des amis pour la vie et développerez vos compétences en magie dans les salles de classe des professeurs les plus talentueux du monde. Tandis que vous entamerez votre aventure à Poudlard, concoctant des potions, domptant des animaux fantastiques et pratiquant des sorts, un monde plus vaste s'ouvrira au-delà de ces murs. Un monde rempli de dangers que vous n'osez imaginer. Un savoir ancien disparu depuis fort longtemps de ce monde. Ce talent étrange et mystérieux que vous possédez est peut-être la clé qui vous permettra de débloquer ce pouvoir endormi. Votre potentiel est illimité. Mais quelle forme prendra-t-il ? L'aventure qui vous attend révélera quelles sont vos véritables valeurs. Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Peggy 7. Accroche-toi, Goldorak! Je ne les laisserai pas faire. Météo Punch! Astéro H! Pulvonium! Allons-y. Ton heure a sonné, maudite machine. Corneau Fulgure! Arrimage! Missile Gamma! La Terre n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, on fatigue, Golgoth? Finissons-en. Pulvonium! Helico Punch! Rétro Laser! Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once.
every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the three-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Et voilà les amis, ça y est, c'est fini, voilà les nouveautés. Donc vous n'oublierez pas aussi le 7 décembre, Avatar Frontières de Pandora qui devrait sortir, encore un jeu d'Ubisoft. Donc même s'ils sont un peu dans la tourmente, c'est vraiment un très beau studio. C'est des mecs qui travaillent, sont terribles, j'en rencontre un chaque année à Noël, il est vraiment très sympa, il y a une bonne ambiance. Donc le prochain Avatar aux frontières de Pandora, je vous montrerai pour finir quelques images. Et quelques images comme promis du prochain Metal Gear qui graphiquement, certains l'auront vu, hein, mais qui va être terrible de chez terrible. Donc on vous attend l'année prochaine pour les nouveautés, on vous attend pour les fêtes de Noël. Tous les DM Games sont là pour vous conseiller, vous orienter au mieux. N'oubliez pas qu'on peut échanger des jeux pour 4€ seulement, le système change toujours pas. On rachète tout le temps les jeux sur n'importe quoi, on peut vous échanger. Donc forcément, on va racheter en cash, en bon d'achat et en échange. Donc il y a plus une vingtaine de magasins qui vous attendent pour les fêtes. N'hésitez pas, vous avez des soucis, il y en a beaucoup qui font des réparations aussi. Aux Herbiers aussi, c'est notre référent au niveau des réparations, qui se débrouille très très bien, notre ami Johan. Et puis je vous dis à très très bientôt, et passez de bonnes fêtes. On se reverra sûrement fin décembre pour les nouveautés de janvier, si j'ai la forme, si j'ai pas trop fait la fête. Et puis je souhaite de très bons, très, très bons réveillons et très bonnes fêtes, les amis. Allez, à bientôt. Salut, bye bye bye. Peggy 16. I am Nutby. Now, you are what I made you! I was abducted by the RDA and trained in their ways. For 15 years, they kept me from my world and my people. Wait. You have the mark. You are Sorrento. The poor child knows nothing of our ways. Let Home Tree be a refuge from your burdens. I must seek those who can teach me the ways of the Na'vi and help me reconnect with my world. Follow me! I won't hurt you! No! Starting to think like a Na'vi. Now, we will teach you to ride like one. Now Pandora is under attack again. I will not allow the RDA to destroy this land. This is my home. On your side against the RDA. I am Na'vi, and I will protect Pandora. Sivako! Peggy 18.
extension.